Alors, non, t'es pas responsable, t'es en train de jouer avec, t'es en train de jouer avec ton plaisir, t'es en train de jouer avec ta... Ouais, ça me dit vraiment, tu joues avec ton plaisir. À travers ce côté, j'arrête, je continue. T'as un plaisir morbide qui est de te détruire, de détruire une partie de toi pour bien l'avoir. Donc, il y a... Tu veux à travers la cigarette, tu veux détruire une partie de toi, donc tu veux la mettre à l'extérieur de toi. Il y a une notion de décomposition dans ta structure, et en la dé et la décomposition, ça signifie la mort. Et la mort, c'est vraiment un tout qui se sépare en deux, quelque part. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre, ou qu'est-ce que tu es en train de mettre à l'extérieur de toi pour le voir pourrir et pour le voir. D'accord. C'est ta culpabilité que tu es en train de mettre à l'extérieur. Est-ce que c'est en lien avec l'émotionnel, plus ou moins? Mais pour moi, c'est clairement ta culpabilité. Alors, tu as la culpabilité d'exister malgré les difficultés des autres. Ah bah tiens, c'est encore une thématique du lien. Donc c'est aussi la thématique du groupe de ce soir. Donc, tu veux mettre ta culpabilité à l'extérieur et tu veux évacuer ta culpabilité parce qu'elle est trop lourde à porter. Parce que ta culpabilité te dit, mais en fait, je ne peux pas réellement goûter ma liberté et mon plaisir personnel si les autres ne sont pas au même point que moi et ne sont pas prêts ou prêtes à aussi aller vers leur plaisir. Donc, t'es en train de jouer, c'est pour ça que je te disais que tu es en train de jouer avec ton plaisir, que c'est un plaisir morbide, parce que ça résonne culpabilité, et en dessous de la culpabilité, et la culpabilité, ça résonne. Je ne peux pas être en vie réellement si. D'accord, donc c'est effectivement en lien avec la mère, mais pas lié au poumon. Pour moi, enfin, pour moi, c'est pas le. Là, c'est pas l'organe, les poumons qui résonne maman, c'est vraiment cette histoire de culpabilité. Dit autrement. Ouais, c'est ça. Dit autrement, tu laisses une partie de toi mourir pour être encore plus proche de ta mère. Ah, d'accord, intéressant. Ça vient de ta structure te questionne aussi sur c'est quoi être une femme. Alors, moi, j'aurais un autre décodage biologique par rapport aux poumons. La zone des poumons, c'est là où il y a des seins pour les femmes. Pas que, mais voilà. Donc, du coup. Chez toi, ça vient te questionner sur ça. Sur comment être une femme. Et en fait, tu. Il y a vraiment une énergie de mort chez toi par rapport à cette thématique. Alors, pourquoi est-ce que ça te questionne sur. Pourquoi est-ce que ça vient me brancher sur la thématique de comment je fais pour être une femme pour toi? Ouais, donc c'est clairement lié au plaisir. Vu que tu t'interdis réellement les plaisirs de femme, les plaisirs, donc le plaisir d'incarner une femme avec la jouissance qui en découle, il faut bien que tu caches ce système-là parce que ça te fait souffrir et en même temps que tu aies une sorte de plaisir et de sécurité en te liant à ta mère symboliquement avec la cigarette. Donc la cigarette est le moyen que tu as trouvé pour être plus proche de ta maman. Et en même temps, la cigarette est un voile qui vient cacher le côté, mais je ne sais pas comment être une femme, je ne sais pas comment connecter mon plaisir en tant que femme. Donc je parle bien d'ego, je parle bien de lien à l'autre encore. Et pourquoi tu veux pas réellement arrêter, malgré que le goût soit dégueulasse pour toi et que l'odeur te répugne, comme tu dis? Parce que c'est plus facile ainsi, samedi. Et pourquoi c'est plus facile? Et qu'est-ce qui est plus facile surtout? C'est plus facile de rester sur le bas-côté de ma vie.
Donc il y a réellement un lien à l'existence qui est conflictuel pour toi. C'est comment exister. Tu essayes de trouver des moyens de structurer des solutions pour te sentir exister. Et c'est là que ça commence à bugger dans ta structure parce que tu ne sais pas. Ouais, et c'est le mental qui est réellement... D'accord, en fait, tu es prisonnière de ton émotionnel. Tu es prisonnière de ton émotionnel et tu refuses de structurer un esprit qui te permette de... un esprit qui fonctionne de pair avec ton corps et ton émotionnel pour trouver des solutions et pour structurer des solutions, pour mettre en forme une solution. Ouais. Et ça me renvoie, mais je ne suis pas assez bien pour aller à l'extérieur. Je ne suis pas assez bien pour me présenter en face des autres en tant que femme, avec un émotionnel en place et avec un désir qui est là. Et un désir, ça résonne sexualité, mais ça résonne aussi désir de création, en tous les sens du terme. Merci pour ta question, Julie. Une belle soirée à toi.